Avec le décor qui est planté pour cette affiche de prestige, regardez ce que l'on vous propose, un spectacle exceptionnel avec des danseurs. On l'a vu, le numéro 42, c'est le nombre de trophées acquis par le Montpellier Handball. On vous laisse profiter de ce spectacle. On revient dans quelques instants pour l'entrée des équipes. Encore un spectacle grandiose offert par le Montpellier Handball avec un artiste, un chanteur, un DJ local, c'est Gigi Brou, l'artiste montpelliérain des danseurs, avec, on l'a vu également, ce chiffre 42, ce bleu nuit, la couleur traditionnelle de Montpellier. On va voir une autre couleur dans quelques instants avec une nouvelle tunique, un nouveau maillot qui va être arboré par les Montpelliérains, le troisième maillot. On vous en dit pas plus, la petite surprise, ça va venir dans quelques instants. On va se reprojeter sur cette rencontre, Dominique, avec les joueurs du Thé avec Ils qui vont faire leur entrée dans quelques instants. Regardez, les caméras de Serge Bergli sont en place. Les joueurs vont faire leur entrée dans quelques instants. Première à l'Arena, ça aussi c'est important. Hein. Bien sûr, bien sûr. Après Bougnol, la ferveur de Bougnol de cette enceinte mythique, eh bien on se retrouve à l'Arena. On se retrouve à l'Arena et c'est forcément aussi un changement de décor. On perd peut-être aussi un petit peu ses repères, il faut se réhabituer. Oui, il y a forcément un petit peu de pression à retrouver l'Arena alors qu'on nous présente là le nouveau maillot, c'est ça Benjamin? Exactement. Aux couleurs du MHB. Vraiment une très très belle mise en scène ce soir pour ce match extraordinaire qui nous attend.